Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, vendredi, vous annonciez ne pas confiner. Vous appeliez à la responsabilité des Français. Sur ce dernier point, Monsieur le Premier ministre, il n'y a pas débat. Les Français ont fait preuve d'un courage et d'un civisme exceptionnels. C'est de votre côté qu'il y a défaillance. Monsieur le Premier ministre, pour qu'il y ait confiance, il faut non seulement de l'efficacité, mais au préalable de la vérité et de la transparence. Vérité tout d'abord. Je prends un exemple. La vaccination des soignants est une priorité reconnue par l'OMS. Vous venez d'évoquer les publics exposés. Vous avez annoncé la vaccination des plus de 50 ans. J'ai ici une note de l'ARS Aquitaine, la mienne, monsieur le Premier ministre, qui annonce que faute de doses, il faut désormais vacciner moins de professionnels de santé. Si c'est le cas, monsieur le Premier ministre, qu'attendez-vous pour le dire à nos concitoyens? Et si ce n'est pas le cas, imaginez la confusion sur le terrain. Transparence, ensuite. C'est le président de la République qui décide de tout, après avoir convoqué un conseil de défense dont nous ne savons rien. Le pays compte plus de 70 000 morts. Il est temps de tout dire. Qui participe à ce conseil de défense? Qui, monsieur le Premier ministre? Les hypothèses de travail et les délibérations de ce conseil doivent être rendues publiques. Êtes-vous prêt à le faire? Vous voulez la confiance des Français? Donnez-leur d'abord des réponses. Merci, monsieur le Président. Ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. Dans le contexte d'insécurité sanitaire, sociale et professionnelle actuelle, les signes de souffrance psychique se multiplient chez les jeunes dont les états dépressifs et suicidaires concernent un tiers d'entre eux. Ce phénomène touche aussi une grande partie de la population soumise à l'angoissante incertitude face à l'avenir. La Covid-19 n'a qu'un effet multiplicateur sur une question fondamentale dans notre société, celle du terreau des troubles psychiques et de leur prise en compte. Depuis plusieurs années, nous sommes alertés sur la détérioration des services de santé mentale. Le rapport présenté par Mesdames Vonner et Fiat décrivait une situation au bord de l'implosion. En pédopsychiatrie, les délais de prise en charge dépassent maintenant 2 ans et les services d'hospitalisation sont surchargés. Pour répondre à cette détresse, tous les professionnels sont mobilisés et la place des psychologues est fondamentale. Ces dernières semaines, le ministre de la Santé a affirmé la nécessité de recourir d'ailleurs à leur expertise. La création de 150 postes est prévue dans le cadre du Ségur et le président de la République a annoncé le renforcement des postes à l'université et la création d'un chèque psy. Ces mesures constituent un début, mais ne suffiront pas. Les retards de prise en charge et l'explosion des détresses observées nécessitent l'augmentation drastique du nombre de structures de soins et de professionnels. Alors tout d'abord, monsieur le Premier ministre, face à l'urgence, pourquoi l'accès aux psychologues reste conditionné à la prescription d'un médecin alors que cela alourdit inutilement l'accès aux soins psychologiques dans un contexte où de nombreux territoires sont confrontés à la désertification médicale? Aussi, alors que vous annoncez des assises de la santé mentale, à quand un grand plan pour répondre aux besoins financiers et humains pour anticiper un phénomène qui va s'amplifier? Je vous remercie. Merci, monsieur le Président. Ma question s'adresse à monsieur le ministre des Affaires étrangères. Elle porte sur l'arrestation d'Aung San Suu Kyi et le coup d'État militaire en Birmanie le 1er février. J'y associe mes collègues membres du groupe d'amitié France-Birmanie que je préside. L'armée birmane a arrêté lundi Aung San Suu Kyi, la chef du gouvernement civil, ainsi que le président Win Myint, placé aux principaux postes. L'état d'urgence a été proclamé pour 1 an et des généraux ont été placés à des postes principaux. Le coup d'État intervient après des années de partage du pouvoir entre le gouvernement civil et les militaires, très puissants dans le pays. Ces derniers dénoncent de prétendues fraudes électorales lors des législatives de novembre dernier, remportées massivement par la Ligue nationale pour la démocratie. Ce coup d'État a suscité de nombreuses réactions à travers le monde, notamment de l'Union européenne et du secrétaire général de l'ONU, qui ont condamné fermement ces derniers événements, tandis que le Conseil de sécurité devrait, je l'espère, se réunir dans les prochains jours. Comme vous l'avez justement souligné, monsieur le ministre, le transfert des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires à l'armée
constitue une inacceptable remise en cause du processus démocratique engagé depuis une dizaine d'années. Vous avez appelé à la libération immédiate et sans condition d'Aung San Suu Kyi et de Win Myint et de toutes les personnalités du gouvernement, des députés, des membres de la société civile arrêtés à la veille de l'ouverture de la session inaugurale du Parlement. Pourriez-vous nous indiquer, Monsieur le Ministre, quelle voix ferme la France peut porter face à cette démonstration de force ? Quelles actions comptez-vous mener avec nos partenaires afin d'œuvrer pour une paix durable en Birmanie ? Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, il y a presque un an, le 27 mars 2020, vous annonciez un moratoire sur les fermetures de classes en milieu rural pour la rentrée suivante. Ce sont les circonstances exceptionnelles qui vous avaient conduit à décider qu'il n'y aurait aucune fermeture de classe en milieu rural à l'école primaire sans l'accord du maire. Alors qu'aujourd'hui se dessinent les premiers contours de la carte scolaire, je voulais attirer votre attention sur les circonstances pas moins exceptionnelles qui entourent la préparation de la future rentrée. Certes, les écoles ne sont pas fermées à l'heure où nous parlons. Pour autant, les incertitudes ne sont pas moindres. Les protocoles sanitaires sont renforcés semaine après semaine. Le sport scolaire ne peut déjà plus se faire en intérieur. L'organisation de la cantine est toujours plus compliquée. Elles sont même accrues par les variants anglais et sud-africains qui apparaissent bien plus contagieux, non seulement pour la population globale, mais aussi chez les enfants. Le retard pris dans la campagne de vaccination ne nous garantit aucunement qu'à la rentrée prochaine, l'ensemble des enseignants et des parents qui le souhaitent auront pu être vaccinés. Les acteurs éducatifs doivent s'adapter en permanence à ces nouvelles contraintes. Je rencontre chaque semaine des maires qui me parlent de leur budget impacté par les contraintes sanitaires, des solutions qu'ils doivent inventer pour accueillir, quoi qu'il en coûte, les élèves à la cantine. Dans les petites communes, ce sont parfois les élus qui remplacent les personnels de cantine ou du périscolaire affectés par la Covid. Dans un tel contexte, l'annonce de la fermeture d'une classe est un vrai coup de massue. Comment adapter les locaux, éviter les concentrations d'élèves en classe et à la cantine avec une classe en moins ? Comment comprendre que dans plusieurs départements, comme l'Ardèche, la Drôme, la Savoie, vous prévoyez la création de zéro poste ? Le gouvernement ferait preuve d'un vrai volontarisme en décrétant un moratoire sur tout retrait de la présence publique dans nos bourgs et nos quartiers. Sur toute fermeture d'hôpital, de trésorerie, de gendarmerie, de tribunal, de bureau de poste, jusqu'à ce que nous soyons sortis de l'après-Covid. Mais Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, nous nous contenterons de vous demander aujourd'hui simplement renoncer à toute fermeture de classe sans l'accord du maire pour la rentrée prochaine. Ce moratoire doit être accompagné de moyens supplémentaires pour préserver le dédoublement des classes en REP, les décharges de direction, la réduction des effectifs dans les classes surchargées et un second degré déjà bien malmené. Aussi, Monsieur le ministre, je voulais vous demander, au nom du groupe socialiste, écologiste et républicain, de reconduire pour un an le moratoire pour circonstances exceptionnelles sur les fermetures des classes en primaire. Je vous remercie. Mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, vendredi dernier, au terme d'une semaine où toutes les rumeurs ont couru, vous avez, à la surprise générale, décidé que la situation sanitaire dans notre pays n'imposait pas de confinement. Cette annonce a surpris tant les demandes exprimées par les élus qui réclamaient des mesures plus restrictives étaient nombreuses. Lors de l'examen de loi sur l'état d'urgence sanitaire, nous avons été nombreux ici au Sénat à défendre l'idée que ces mesures devaient pouvoir se prendre à l'échelle territoriale. En effet, face à une épidémie qui circule de manière différenciée sur le territoire, il semble opportun de favoriser une approche basée sur la différenciation, car un confinement national, qui reste une décision très délicate à prendre, ne fait pas nécessairement sens. D'autres solutions existent et doivent être examinées attentivement. Alors pourquoi ne pas agir en concertation à l'échelle de la région, de certains départements ou de métropoles sur l'opportunité de mesures territorialisées ? Pourquoi ne pas laisser aux préfets, en concertation avec les élus, la possibilité de dire si, en fonction de la densité ou du taux d'incidence du virus, des assouplissements ou au contraire des mesures plus restrictives peuvent être décidées ? Certes, nous comprenons qu'il soit plus simple et plus lisible d'appliquer des mesures uniformes pour l'ensemble des Français. Cependant, et alors que nous entrons à nouveau dans une période où de nombreuses inquiétudes minent le moral de nos compatriotes, cette règle paraît disproportionnée dans les territoires moins touchés par l'épidémie ou dont les spécificités rendent l'application de certaines mesures inappropriées. Ma question est donc la suivante, Monsieur le ministre. Allez-vous examiner la possibilité de recourir, dans la mesure du possible, à une gestion territorialisée de la crise en associant les élus locaux à la prise de décision ? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le garde des Sceaux.
Le 2 octobre dernier, le Conseil constitutionnel décidait que le gouvernement devra faire adopter avant le 1er mars prochain une disposition législative permettant à tout détenu, considérant qu'il est détenu dans des conditions indignes, de saisir la juridiction judiciaire. Nous sommes le 3 février. Monsieur le ministre, ma question est simple. À quelle date allez-vous produire cette disposition législative ?